Mathieu, faut couper le son, hein. J'entends ça dans les trucs. Là. On a cherché entraîneur, on a trouvé entraîneur. Ouais! Une salopard! Qui met tous les bons joueurs sur le banc de touche. C'est pas possible qu'on puisse avoir un entraîneur aussi méchant! Tous les bons joueurs sont sur le banc de touche. Donc on peut jouer comme ça! Il est laissé sur le banc de touche. Nicolas Pépé est sur le banc de touche. Ouais! Mars Gradel sur le banc de touche. Merci. Chez nous, dans notre pays, sur notre terrain, on remplit stade. Et on nous encule et puis on sort. Et donc, on pouvait jouer comme ça en deuxième mi-temps. On attend qu'on nous mène et puis on fait rentrer. Hé hey, Seigneur. Seigneur Jésus, il est méchant, cet entraîneur, son visage de sorcier, il est méchant, ouais, il est méchant. On peut nous faire ça, nous, dans notre propre pays. On a mis tous les milliards pour organiser une compétition là. On dit cherchons entraîneur, c'est pas l'argent qui manque. Voici un vieillard de 80 ans qu'on nous amène, qui n'a jamais joué au football. Je ne connais pas quelle est sa carrière. Qui n'a jamais été capable d'entraîner une équipe africaine qui a eu à gagner quoi que ce soit. On nous prend ce vieux blanc, viens, on nous le donne. Il y a des Africains compétents, il y a des Ivoiriens compétents. On prend ce vieillard, on vient, on nous donne. On dit colon, on dit non. On prend un vieillard, on vient, on nous donne. Voilà! Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Entraîneur là, il est méchant. Entraîneur là, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant, il est méchant. Oh. Oh, Seigneur Jésus. Ah, méchant. Il est méchant, il est méchant, hein? Il est méchant. Il est méchant. Tu es méchant. Ah, tiens, là, tiens, méchant.
Moi, je te dis ça. Et puis avoir le bas biais de bâtard de qui m'a appelé pour dire non, ma conscience, c'est-à-dire que ta femme m'a appelé. Quelqu'un n'est qu'à me tensionner mon téléphone. Non, ma conscience, découragement n'est pas ivoirien. C'est ta maman qui n'est pas ivoirien. C'est ton papa qui est dit ici. Bab. C'est pas possible, il est méchant. Mais on peut pas faire ça à un pays, Jimmy, tu es mauvais. On parle, non, on maîtrise. On maîtrise. Voilà, on maîtrise. Ah ouais, on maîtrise. Donc, il y a des bons joueurs qui étaient sur le banc des touches. Seko Fofana avait besoin de Nicolas Pépé. Nicolas Pépé est sur le banc des touches. L'entraîneur maîtrise. Appelle Za. Non, Za garde l'équipe. Za n'est pas là maintenant. Face maintenant à une vraie équipe Nigeria. Puis c'est Nigeria qui équipe. C'est là qu'on doit tester pour voir si nous avons les compétences, les ressources et les organes pour remporter la Coupe d'Afrique. 1-0. Pouh, ça fait mal. Pouh, il est quelle heure? Il est 19h. On va dormir. Ouais. Entraîneur méchant. Pas quelqu'un. Nos joueurs là sont bons. Bon, bref. C'est-à-dire, Nigeria n'a pas pu battre Guinée équatoriale. C'est Côte d'Ivoire qui gagne 1-0 devant notre public, sur notre terrain, devant le Premier ministre. Ouais. Drogba. Hé, hey, Drogba. Bon. Les amis, partagez le direct, il est tout gâté. Les gars, partagez le direct, il est chié. On est 10 000 personnes sur TikTok. Partagez-moi le direct, il est chié. Il est chié pour déposer. Oui. Parce que là, on est en danger. Hé, hé, ha, ça. Guinée équatoriale. Mathieu. Là, maintenant, les mêmes dans les calculs, hein. Là, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est toujours comme ça. Nous mettons toujours dans les calculs. Si on a gagné contre Guinée équatoriale, si on a fait match contre Guinée équatoriale, que Nigeria fait. C'est-à-dire, vous ne nous aimez pas ou bien vous nous aimez. Dites-le nous, on veut savoir. Mais qu'il rentre. Qu'il rentre, cet entraîneur. Qu'il rentre. Il ne sort pas. Il met le bon joueur sur le banc de touche. Comment on peut mettre les bons joueurs, les Nicolas Pépé, sur la bande de touche face au Nigeria? Pays potentiellement champion d'Afrique. Et on veut qu'on ait qu'à être comme des moutons, venir devant les supporters. Non, les gars, c'est pas grave, hein? Croyez. Hey. Papa Do, c'est ton nom, il veut le gâter. Viela n'a jamais rien demandé. Il dit, donnez-moi coupe là. Pour tout ce qu'il a fait pour le pays là. On veut trahir Viela. Ouais. Les gars, partagez le direct à 10 000 personnes. Il a commencé à tout gâter. Il a dit, partagez-moi le direct à 10 000. Il a réglé ce problème définitivement. Qui rentre? Entraîneur là, si on peut le limoger avant la match, le match prochain, on le limoge. Je préfère l'entraîneur jouer. Je préfère l'entraîneur jouer de la Côte d'Ivoire qui va continuer la compétition. C'est un incompétent notoire. Et dès le départ, tous les Ivoiriens ont dit cet entraîneur, nous ne l'aimons pas. Prenez l'entraîneur que les Ivoiriens aiment, que le peuple se reconnaît en lui. Non, on nous amène un vieux qui a un AVC. Son visage ressemble à AVC. Et quand tu as parlé, non, tu es en train de saboter l'équipe, on doit te mettre en prison. Il y a la maman ou le papa de qui a dit Marcoso, va aller en prison. C'est ta grand-mère qui ira en prison. Qu'on a la Côte d'Ivoire, tout donne. On a donné quoi? Mauvais coaching!
système de jeu. Tout est concentré sur Serge Fofana. Un attaquant n'a plus d'option de se replier. Vous dites, on a tout donné quoi? On a tout donné quoi? On a tout donné puis on a perdu. Vous croyez qu'on sait où on est arrivé là? On est au stade et dit oui, on a bien joué. Oui, on a tout donné. On veut la victoire. On a perdu. Bon, on a tout donné, on a perdu. Maintenant, on est en danger. On est en danger. Voilà. Guinée équatoriale, 5 points. Non, 4 points. Nigeria, 4 points. Côte d'Ivoire, c'est non, tu sais, ma cause, tu vas te faire t'énerver. Hein. On dit le meilleur troisième aussi sera repêché. Côte d'Ivoire sera troisième de sa poule. La Côte d'Ivoire sera troisième de sa poule. Pays organisateur, potentiel champion d'Afrique, troisième de notre poule. Maman, vous êtes sérieux là? On met les bons joueurs sur le banc de touche ou bien on les met dans le match? Les bons joueurs, on les met dans le match ou sur le banc de touche? C'est un salopard! Un salopard! Cet entraîneur. Et on va venir, non? Calmons les gens, non? Hé! Hey! Kokan m'a pas payé pour venir calmer les gens. La FIF m'a pas payé pour venir calmer les gens. Dieu merci! Ils ont enlevé tous les influenceurs. Ils ont enlevé tous les influenceurs pour dire, vous n'avez pas une bonne image. On ne vous associe pas. Vous allez remporter la coupe là pour nous donner. Sinon, Wallahi Bilal, on voyage avec votre âme et toute l'âme de vos familles ensemble. On n'est plus dans un jeu, hein. On a parlé de tickets, vous avez dit sold out, ticket est sorti. Match là, qualification là, vous n'allez pas seulement nous donner ça. Non, nous n'avons pas besoin de se qualifier. Nous on est déjà en finale. Notre esprit, on a pris nos billets d'avion, on a payé nos tickets qu'en finale. Nous ce qu'on sait, c'est la finale. Côte d'Ivoire, Cameroun, débrouillez-vous comme un Serge Aurier. Maman, Mathieu. Nicolas Pepe est sur banc de touche. Mathieu, Mas Diadel, le tueur de Lyon n'a pas joué. Pardon? C'est ton grand-père qui a joué, petit maudit là. Hey. On va aller parler de mon affaire. Hein. Mathieu, il a été blessé. Il y a des fois, il parle de mon affaire. Il n'a rien à vous dire pour chaque match, on gagne. Tu n'as pas gagné Nigeria, c'est Guinée équatoriale, tu allais gagner. Qu'on non, on gagne pour chaque match. Je n'aime pas ça. Faut être dans mon affaire. Les gars, partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Je suis pas content. Non. Les gars, on est dans la merde. On est dans la merde. Nous sommes dans la merde. J'ai regardé combien de fois les supporters ont donné tout. Les supporters, je vous félicite. Jusqu'à la dernière minute, le peuple de Côte d'Ivoire fait son travail. Mais le malheur de ce pays, ce ne sont pas les joueurs. On a un sorcier dans ce pays. C'est l'entraîneur. Maintenant, vous qui avez sélectionné cet entraîneur, débrouillez-vous. Hein. Et gnana. Une telle compétition. On prend Kolo Touré, on le met comme entraîneur principal. Il fait appel à son frère Yaya Touré. Il fait appel à son ami Didier Drogba. Les trois sont autour de l'équipe nationale. Ils échangent, ils parlent entre eux. Puisque tous pratiquement ont des diplômes d'entraîneur, ils échangent. La fédération se met à côté pour gérer tout ce qui est système de bon encadrement de nos joueurs. Mais les trois cerveaux s'asseyent autour de notre équipe. Ils parlent avec les jeux. Yaya Touré peut faire des propositions au centre du terrain. Drogba peut faire des propositions en attaque. Et puis on a Kolo qui peut faire des propositions en défense. C'est notre Coupe d'Afrique. On reçoit, c'est notre Coupe d'Afrique. Après 40 ans, on exclut tout le monde. On écarte tout le monde. On veut gérer le mouvement seul. On veut manger seul. On ne veut pas associer les gens. Conclusion. Nigeria nous gagne 1-0 sur notre propre pays. On va regarder le match de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, c'est équipe. Guinée-Bissau, c'est équipe. On vient de les mettre 4 buts. Ça, c'est pas équipe. Nigeria va les mougomer 5-0. Nigeria est déjà qualifié. Maintenant, c'est entre nous et puis Guinée-Équatoriale. Mais on est venu se tuer. Or, Guinée-Équatoriale n'est pas venu s'amuser. Si Nigeria n'a pas pu les battre, que Nigeria nous a tapé, c'est que nous sommes en danger. Arrêtons avec cet esprit optimiste bête-là. Faut qu'on soit réaliste. Le malheur de la Côte d'Ivoire s'appelle l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. On a perdu bande de putain de
maintenant, quand tu es un pasteur, il faut pas encourager les gens. Enfin, moi, je ne suis pas pasteur ici. Je suis supporteur. Ici, là, je suis supporteur. Mon diable de l'entraîneur. Mon diable de ses adjoints. Mon diable de sa famille. Mon diable de tous ses parents. Mon diable de ses collègues. Tous les voisins de sa maison. Le mon diable. Qu'il rentre. Cet entraîneur, qu'il rentre. On n'a pas besoin d'un tiède dans notre pays à cette heure. Merde. Et voilà. Voilà. Les Camerounais, on dit aux Ivoiriens, concentrez-vous sur la compétition. Oh non, il y a une Camerounaise qui est venue, qui a fait vidéo. Comment on peut être aussi bipolaire et aussi bête que ça? Vous avez une compétition. Concentrez-vous. Non, c'est vrai, mais il y a, c'est-à-dire ton énergie. Hé, Seigneur. Hé, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter des gens aussi bêtes? Concentrez-vous sur votre victoire. Concentrez-vous sur votre compétition. Vous laissez votre compétition. Vous venez mettre les organes dans des affaires inutiles, ridicules, qui n'ont pas de sens. Vous allez faire maintenant cette coupe d'affaires de nuit maintenant. Vous allez souhaiter maintenant que le Cameroun paye pour aussi venir se moquer. Nous, le Cameroun n'est pas notre priorité dans cette coupe d'affaires. C'est le trophée qui est notre priorité. C'est la coupe qui est notre priorité. Si dans votre sorcellerie là, certains Ivoiriens, dans votre au comportement démoniaque, jusqu'à les gens seraient fait pétition, vous pouvez faire pétition. On vole votre argent, allez faire pétition, on augmente l'électricité, vous ne faites pas pétition. C'est parce que. Aïe, voilà nous maintenant. Voilà nous. Voilà nous. C'est bien fait, ça va nous rendre un peu humbles. On va redescendre sur terre. Et puis on va maintenant être humble parce que l'humilité précède la gloire. On va être humble à savoir qu'on peut nous battre. Voilà. Et on peut nous éliminer au premier tour si nous nous jouons les cons. Ça, ça va nous servir de leçon. On va s'asseoir, on va réfléchir. Et puis maintenant, on va dire, bon les gars, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question maintenant qu'on se pose là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Sur Facebook, tous ceux qui sont sur TikTok, allez sur Facebook. Ceux qui sont sur TikTok, allez sur Facebook rapidement. Allez sur Facebook. On a dit amenez-nous Zaha. Non, Zaha pollue l'équipe. On a utilisé Zaha pour qualification. On a utilisé Zaha à la dernière Coupe d'Afrique. Maintenant là, voilà nous, on est assis maintenant par terre. Ouais Zaha. Monsieur l'entraîneur, spécialiste, venez nous dire qui dans la fédération ivoirienne de football a retiré le nom de Zaha. À cause de quoi et de qui? On ne va pas vous pardonner ça. Jamais. Débrouillez-vous. On n'a pas besoin de qualification. Hein. Parce que l'équipe qu'on a vue là, si c'est pas aller nous éliminer en 16e de finale ou en 8e de finale, là, venez nous vous asseoir. Hein. Vous allez nous expliquer pourquoi Zaha n'est pas là. Parce que on a, quand tu regardes le match, tu vois Zaha côté gauche. Tu vois, comme il s'appelle, Sekou au milieu du terrain. Tu vois Nicolas Pépé sur le côté droit. C'est-à-dire, même un enfant de 5 ans peut faire classement de l'équipe de Côte d'Ivoire. Un enfant de 5 ans peut faire classement de l'équipe de Côte d'Ivoire. On enlève Zaha parce que tout simplement, il ne faut pas quelqu'un qui peut dénoncer les choses, quelqu'un qui peut parler. On l'enlève, on le met d'où? Voilà, maintenant, on nous a tapé devant notre premier ministre. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, les gars. Mettez les cœurs, tapotez. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont sur TikTok, allez sur Facebook rapidement. Allez sur Facebook. Il a commencé à casser les papous. Mais voilà maintenant. Coup de marteau. Gang, gang, gang. Néma, néma. Coup de marteau. Gang, gang, gang. Voilà, un coup de marteau sur nos têtes. Tata, gang. Actuellement, on est tous humbles. Il faut voir comment les supporters sont sortis du stade. Tous humbles. Nos grands-mères, nos grands-pères, nos aïeux sont assis. Après 40 ans, on vient Nigeria vient nous mougou sur notre propre terre. 1-0. Ils auraient pu même taper encore 3-0. Parce qu'ils ne sont pas en forme. On a eu quelques occasions, mais du gâchis. On a eu des opportunités, mais du gâchis. Nicolas Pépé, cette équipe qui est rentrée après le but,
Nicolas Pépé, cette équipe étant en première mi-temps, je vous assure qu'aujourd'hui où je vous parle, on menait au moins 2-0. On menait 2-0. Parce qu'en première mi-temps, les Anangos n'avaient pas confiance en eux. Maintenant qu'ils ont pris confiance, c'est l'enfer hanté, nos meilleurs joueurs, mais ils pourront faire quoi? Ils pourront rien faire. Parce qu'ils ont pris confiance. Et tout dépend du coaching. On va vous critiquer. J'ai dit, mon cœur saigne, mon cœur pleure. Parce que dès le départ, on a prévenu. Donné. Mathieu, tourne-moi la photo de Zaha là-bas. Il faut que j'appelle l'esprit de Zaha. Vous savez, il y a le karma qui existe. Hein. Le karma. Quand on fait du mal à quelqu'un inutilement, pour rien, il y a le karma. Il y a des moments donnés dans cette vie-là. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Cette fédération, vous n'avez pas le choix de nous donner le trophée. Sinon, votre mandat, fini ou pas fini, vous allez déposer ce que vous n'avez pas pu soulever là. Vous allez déposer ça, nous on va avancer. On ne peut pas accepter une humiliation pareille dans notre pays. Il faut que les choses, dès la base, soient claires. Claires, dès la base. On a voulu, le peuple voulait Drogba. Dieu vous a donné le pouvoir de diriger cette fédération. Sachant que vous allez recevoir la Coupe d'Afrique. Vous deviez d'abord faire le recrutement du meilleur de tous les entraîneurs avec un palmarès connu, une autorité connue qui se base sur l'excellence. Votre choix d'entraîneur, on vous a dit non, vous nous avez imposé. Le prix du maillot, vous nous avez imposé. Vous avez enlevé ça, vous nous l'avez imposé. Maintenant là, nous on vous dit simplement, soit la coupe, soit vous dégagez. Faut-il que les choses... Dès à cet instant précis, les choses soient claires. L'entraîneur, là, arrangez-vous avec lui. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment vous allez vous arranger. Mais soit vous nous donnez la coupe, soit toute la classe dirigeante du football ivoirien. Vous déposez votre démission et vous allez définitivement à la retraite. On préfère donner cette fédération à Georges Ognin pour qu'il dirige la fédération provisoirement, un comité ad hoc. Mais ce que vous êtes en train de nous servir, on a mis notre confiance en vous. Et jusqu'à aujourd'hui, on vous fait confiance, M. Idriss Diallo. Mais ce que nous sommes en train d'assister là, ne mettez pas foutaise sur la Côte d'Ivoire. Le Mali est en train de se moquer de nous actuellement. Le Burkina est en train de se moquer de nous actuellement. Le Cameroun est en train de se moquer. Ne nous mettez pas dans cette situation. On n'a pas dépensé nos milliards. On ne nous a pas privé de nos milliards pour vous les donner. Que vous nous mettez dans cette situation. Non! Ressaisissez-vous immédiatement! Parlez-vous, hein! Débrouillez-vous! Mais parlez-vous! Coupe là! Amusement à part! Vous laissez ça ici, sinon on va vous déposer. On va vous déposer au calme! Ce soir, la Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Parce que quand tu regardes l'équipe du Mali jouer, tu sais que l'équipe du Mali est venue avec la flamme dans leur cœur. Faire honneur à leur peuple. Monter aux yeux de toute l'Afrique. Que la révolution qui est au Mali, eux là, ils vont transformer ça sur le terrain. Pareil pour le Burkina. Ils ont pris le soin de faire le choix des valeurs culturelles, des valeurs ancestrales et de consommer africain. Le malheur de notre pays, c'est l'entraîneur qu'on nous a imposé. C'est cet entraîneur qui est notre malheur. Aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent. Mathieu, où est la photo de Zaha? Je t'ai donné des instructions et tu m'évites. Hein? Si on t'apprenait, maga taper tout de suite, tu n'as rien compris dedans. Voilà. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire pleure. Peuple de Côte d'Ivoire. Je ne viendrai pas devant vous. Voici la Guinée. Et il y a toujours, vous savez, l'Ivoirien. Ce qui me plaît avec l'Ivoirien, c'est que l'Ivoirien ne se décourage jamais. Mais notre équipe nationale de football nous a toujours bien mis profondément à chaque fois qu'on leur a fait confiance. À chaque fois qu'on a été mobilisé pour cette équipe, à chaque fois qu'on a mis les organes, qu'on a dépensé, des Ivoiriens sont venus des États-Unis, de la France, du Canada, à chaque fois qu'on a été mobilisé pour eux, qu'on leur a montré notre amour, ils nous ont toujours déçus.
C'est qu'on les insulte, qu'on ne croit pas, qu'on appelle Johnny Pacheco et son maillot pour les baptiser, baptiser la maman, baptiser le papa. C'est là qu'ils mouillent le maillot. C'est là qu'ils nous montrent le contraire. Et après, ils font comme ça. Taisez-vous, on est là. Vous ne pouvez pas gagner le Nigeria en dansant un coup de marteau. À cause de vous, tous les maquis sont vides ce soir. Tout le monde est triste. Tout le monde ce soir s'apprête à fêter. Parce qu'au moins, aujourd'hui, c'est notre qualification. On gagne, on est qualifié. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais est-ce que nous avons le choix? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tous ceux qui sont sur TikTok, quand vous allez aller sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ma fille qui m'a allait poster, découragement n'est pas ivoirien. Voilà. On n'a pas le choix. Kimi, on n'a pas le choix. Voilà Kimi hein, qui allait poster. Découragement n'est pas ivoirien. Est-ce qu'on est toujours obligé de se mettre en danger? Est-ce que toujours on est obligé d'avoir des palpitations? Ce pays-là ne peut pas être heureux un jour. Un jour on est heureux, on est content, la vie est belle, et puis tout va bien. Tourne-moi la photo de l'entraîneur là. Viens le délivrer. Tourne-moi sa photo. Et tourne-moi la photo de Didier Drogba. On est toujours dans la position. Découragement n'est pas ivoirien. Les gars, encourageons-nous, hein, ça va aller. Quand vous regardez l'équipe là, le classement qu'on a mis là, ça c'est une équipe championne d'Afrique, ça. Disons-nous la vérité. Ça c'est une équipe championne d'Afrique qu'on regarde jouer là. C'est une équipe championne d'Afrique, ça. Qui n'a même pas eu d'occasion de but vrai, frère. Les bons joueurs, on les met sur le banc de touche. Les bons joueurs. Les faiseurs de jeu, les décanteurs de situation, on les met sur le banc de touche. Ceux qui ont joué, ce n'est pas parce qu'ils ne sont, ils sont pas compétents, non. Mais il y a des joueurs qui ont une histoire. On connaît le jeu. L'autre là, quand on l'a mis net, pourquoi tous les supporters sont levés? C'est comme Kader Keïta. Quand il rentre, tout le monde se lève. Quand Zaha rentre, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à lui seul, il peut décanter une situation. C'est qu'on n'est pas un grand dribbleur haute. Il faut des joueurs percutants face au Nigeria. On n'a pas eu. Maintenant, nous sommes assis, maintenant, par terre. On dit quoi? Là, on dit quoi? Là, dites-nous, on dit quoi? On dit quoi à nos familles? Le lendemain, ça va commencer à appeler les autorités. Oui, eh bien, Makosso est en train de décourager les Ivoiriens. Ça, il faut qu'on le fasse arrêter et autres. C'est ta maman va arrêter. C'est ta grand-mère qu'on va arrêter. C'est la grand-mère de ton père qu'on va arrêter. Petit chien! On vous demande de jouer là-bas. Mettez-nous une équipe compétente. Vous êtes des sept compétents. Et vous allez venir menacer qui? C'est ta maman que tu vas arrêter. Nous avons le dernier match. Le stade n'était pas plein aujourd'hui. On nous a parlé de combien de supporters, Mathieu? 48 000, non? Il y avait combien de supporters aujourd'hui au stade? Donnez-moi le nom, donnez-moi s'il te plaît. Donnez-moi le nom. Il y avait combien de supporters au stade? S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Où sont les 1 million que je mets en jeu? Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, je n'ai même pas besoin de vous dire de partager. Si tu aimes la vérité, tu as partagé le direct. Tu as tapoté. Si tu aimes la vérité, j'ai pris mon rôle dans cette compétition d'être la voix des sans voix. Je n'ai pas été acheté par une organisation, par le Cocanou, par une fédération. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne redois à personne. Je ne suis redevable à personne. Personne ne m'a même dit, Makosso, voici un bien fort au stade. Gloire soit rendue. Au moins, mon âme n'a pas été. C'est Dieu qui a permis que je ne sois pas vendu. Pour que j'ai la liberté d'attraper vos testicules comme ça. Et j'ai broyé vos testicules. Je vais appuyer vos testicules. Vos familles vont vous dire, vous avez fait quoi, Makosso? Viens vous montrer ce qu'on appelle trahison face à un peuple. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. On était combien au stade? Nous étions combien au stade? 47 000, 49 000. 49 000 supporters. 49 000 supporters. 49 000 supporters qui ont été trahis, qui ont été déchus. Un stade de 60 000. 49 000. Bon, c'est pas mal. 10 000 de moins. Mais, les amis, il faut qu'on se dise la vérité. Et ça, j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens. Numéro 1, je dois vous donner les consignes. Si on a télé 15 000 personnes, je vous donne les consignes claires et nettes sur l'attitude que nous devons adopter maintenant. Là,
Nous ne sommes plus au stade de coup de marteau. Gang, c'est fini. C'est fini. La distraction est terminée. Faites pas chier là. C'est terminé vos bêtises là. Vos bêtises, allez vous baiser dans les boîtes de nuit. C'est terminé là. On est en danger là. Il faut maintenant se réveiller. Hé, hey, réveillez-vous là. Réveillez-vous. Vos petites paroles à la con. Vos petites paroles de la bordellerie avec le Cameroun. Stop. Terminé. Nous sommes en danger. Et quand on est en danger, on s'assoit, on se regarde dans la famille et puis on se dit, les gars, c'est gâté, on fait comment? Le général va vous répondre. Oui, y'a quoi, même? Oui, y'a quoi? Tu m'appelles, c'est pourquoi? Mais c'est fini, c'est ton mondial, c'est fini combien, combien? C'est ta grande fallait demander, c'est fini combien, combien? Petit chien, là, tu me demandes pourquoi? Tu m'appelles pour me demander pourquoi? Tu n'as pas de télévision chez toi? Ton grand-père, le match est fini comment? Ta grand-mère, le match est fini comment? Tes aïeux, le match est fini comment? Ton menti encore mettre encore dessus. Tu m'appelles me demander le score du match? Petit chien, appelle-moi encore me demander le score du match. Petit maudit, qu'on a la corde, le score c'est comment? Ça t'a bien fallu demander en gagnant combien? Ça ton papa fallait demander le score du match. Petit animal là. Ah, ils sont méchants. Tout le monde dit, j'ai en train de fêter, les gosses en train de fêter, Abuja en train de fêter. Yo, nyana, oh, papa, mais pas qu'on voit, yo, pour bon, nyana. Ils ont gâté plein de mougouli de plein de personnes ce soir-là. Ils sont méchants. Ah. Ouais. Tu as la photo de l'entraîneur? Pas moi, sa plus vilaine photo. Tu mets, mets-moi son visage là-bas. Mets-moi son visage là-bas. Regardez-moi comment il est. Monsieur l'entraîneur. Isabelle, comment là? Gassier, non? Christophe, non? Voilà, Gassier. Monsieur Gassier. Monsieur Gassier. Est-ce qu'on t'a parlé des Ivoiriens? Il dit, tu as fui des pays là. Ça, on t'a oublié tout ton caleçon ici. Est-ce que toi, on t'a parlé des Ivoiriens? C'est un million. C'est un milliard de dollars de nos hôpitaux, de nos dabalis, de nos projets. Le président a pris et puis il a jeté dans la compétition. Gassier. Les gars, confirmez-moi bien. J'ai vu, j'ai jamais voulu me retenir son nom. Il s'appelle Gassier, non? Jean-Luc Gassier. Ok. Gassier. Tu vas appeler les fétiches de ta famille. Tu vas appeler les génies de ta famille. Tu vas t'arranger comme tu veux. Tu vas te débrouiller comme tu veux. Coupe là, on t'a pas dit victoire contre Guinée équatoriale. Hein. Guinée équatoriale, on donne ça à Sec Mimosa. À Sec Mimosa, il tape Guinée équatoriale. C'est pas équipe. C'est ça, c'est équipe. C'est notre équipe de quartier qui les gagne. On parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le pays de Didier Drogba. Le pays de Laurent Pokou. Le pays de Théry Joël. Le pays de Gadji Séli. Si tu t'amuses, Gassier, si tu t'amuses à nos organes, tu n'as plus jamais entraîné une équipe africaine. La Côte d'Ivoire sera ton terminus. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Il faut t'arranger comme tu veux. Il faut faire sortir tout le talent que tu as pris à l'école dans tes heures. Mais tes noyaux, là, tes testacles, là, tu as fait sortir coupe là pour nous donner ça ici. Oui. Renan, tu n'as pas parlé. Hervé Renard, tu as appelé Hervé Renard qui est ton frère français pour dire Hervé Renard, là où il m'en va là, c'est comment? Tu viens t'asseoir et tu joues les dangereux. Non, ça, je l'ai enlevé parce que tout simplement, ça a été la caution la plus difficile parce qu'il fallait que celui qui t'a dit dans la fédération qu'il faut enlever ça là, nous on veut son nom, on le manger. On veut le manger. Actuellement, nous tous sommes devenus sorciers. On veut boire le sang de quelqu'un. En sorcellerie, pas physiquement. Il n'y aura aucune agression. Je n'appelle pas à la violence. Mais, entraîneur Gassier, faut te débrouiller comme tu veux. Tu vas t'arranger comme tu peux. Tu vas entrer où tu veux. Peut-être que tu vas prendre Idriss Diallo pour faire de lui ton collaborateur. Mais vous allez lui trouver la solution pour
pourquoi on remporte la coupe là. Parce que l'équipe qu'on va jouer là, c'est pas l'équipe championne d'Afrique. Mais comme Dieu, on dit impossible n'est pas de Dieu. Et que Dieu a pitié de toute la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Il va regarder à nos pleurs, à nos souffrances. Et il va dire, Seigneur, il va dire, je vous donne au moins la coupe là. Pour vous consoler de tout ce que vous avez traversé 10 ans de guerre. Dieu va avoir pitié de ça. Mais gaffe, toi, j'aimerais te dire que tu es méchant. Tu es méchant. Ce que tu nous fais là, tu es méchant. Dieu te voit. Tu es méchant. Les gars, on n'est pas encore à 10 000, à 20 000 partages. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui partagent le direct là? On est à 6000 partages, vous êtes sérieux là? Vous êtes des Ivoiriens? Vous êtes sûr que vous êtes des patriotes? Votre meilleur influenceur, le plus grand guerrier de la nation vous parle et vous ne partagez pas le direct? Vous voulez nous trahir? Donc vous voulez me laisser dans le problème quoi? Ok, moi j'ai déjà payé ma paire de minotes. Je suis parlé en prison pour mes convictions, pour cette équipe nationale. Ça n'appartient pas au papa ni à la maman de quelqu'un. C'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et les 28 millions d'Ivoiriens sont tous des entraîneurs. Chacun va donner son opinion. S'il vous plaît, je demande à tous les influenceurs, si c'est maintenant que vous devez vous lever, s'il n'y a pas de pression, il y aura la dépression. S'il n'y a pas de pression, il y aura la dépression. À un joueur, moi je n'ai rien à vous reprocher. Non, je ne peux pas venir m'asseoir pour insulter nos joueurs. Vous avez été nuls. Non! On a constaté que la volonté était là. Sauf que vous avez beaucoup eu peur de prendre des initiatives. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas votre faute. Celui qu'on reconnaît comme sorcier, c'est l'entraîneur. C'est lui, pour le moment, on reconnaît comme notre premier sorcier. Mais puis, c'est le problème des blogueurs et des influenceurs. Ces idiots notoires qui ont passé tout leur temps à faire des palabres sur l'histoire de Mayol à la veille d'un match aussi important. Comment vous avez pu aussi distraire le peuple de Côte d'Ivoire? Comment vous avez pu entraîner le peuple de Côte d'Ivoire dans la bêtise de la distraction, dans une compétition aussi sérieuse? C'est la même erreur que le Cameroun a commis chez eux, à vouloir venir supporter l'Égypte contre la Côte d'Ivoire et autres. À la fin, eux-mêmes ont lu l'heure. Nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs. Et vous allez voir des imbéciles. Hein? Demain, c'est pour souhaiter que le Cameroun aussi perde. Le malheur que tu souhaites à ton frère, c'est le malheur qui va te localiser. Moi, je souhaite que le Cameroun gagne. Oui, je ne souhaite. Alors, je suis arrivé là. Je ne veux plus de problème. C'est notre belle famille que Dieu donne la victoire au Cameroun qui se qualifie. Je prie Dieu pour eux. Je supporte le Cameroun. Ça, je le dis clairement. Si je suis Judas, ta maman Judas, ton papa Judas, ton grand-père Judas, ta grand-mère Judas, je ne veux pas mettre la haine dans mon cœur. Mais la concentration doit être de mise. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le troisième match, tous les Ivoiriens comme un seul homme. D'abord, le jour du match, je donne instruction et ordre à tous les religieux de jouer leur partition. C'est vrai qu'on nous a exclus dans cette compétition. On nous a mis à l'écart dans cette compétition. On nous a humiliés dans cette compétition. Même les blogueurs, ne laissons pas tomber notre équipe. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous sommes redescendus sur terre. Nous avons compris que notre équipe nationale n'est pas la plus performante de la compétition, mais nous sommes le pays organisateur. Ceux qui remportent la Coupe d'Afrique ne sont pas les plus performants. Ce sont ceux qui ont le peuple derrière eux, qui ont un coaching franc et qui sont concentrés et déterminés. La détermination est la première clé pour réussir dans la vie. Car la Bible dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Aujourd'hui, nous avons perdu. Devons-nous baisser les bras? Devons-nous tout abandonner? Et devons-nous nous retourner contre notre équipe nationale? La réponse est non. On peut critiquer. On peut se fâcher. On peut même insulter. C'est normal. La défaite fait mal. Mais ensuite, on doit être capable de prendre de l'eau, laver notre visage et de nous dire, le comportement, l'Ivoirien ne connaît pas ce qu'on appelle le découragement. Nous avons un dernier match. On se moquera de nous. On nous traitera de tous les noms. Mais nous avons un dernier match. Veuillez m'écrire dans les commentaires. Mathieu, le dernier match aura lieu quand? Lundi. Quoi? Lundi là. Nyanao. À quelle heure? 17h. Wow. Maman. Yeah. Maman Langayo,
On joue où? Au stade de Bipe ou au Félicia? Et Bipe ne nous porte pas chance, on est quand l'on Félicia, oh! Nya. Mon ami, n'ont pas donné sacrifice des vieux, et les vieux ébriés là-bas, là. Les vieux entiers, n'ont qu'à les donner leur part. Si quelqu'un doublait les vieux sorciers de ce pays, va donner leur part. On maîtrise. Vous voulez exclure tout le monde. Laissez ça, mais au peuple de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous. Vous savez, nous avons perdu aujourd'hui une bataille. Mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons perdu une bataille. Nous n'avons pas perdu la guerre. Vous, qui pour un petit problème, aimez baisser les bras, allez vous suicider, allez mourir et émettre ce qu'on appelle des ondes négatives, non. Jamais. Ce lundi est déclaré jeûne et prière de tout le peuple de Côte d'Ivoire de 6h à 14h. Nous allons demander à Dieu de bénir notre équipe. Les autres pays prient, mais la Bible nous enseigne, recommande ton sort à l'Éternel. Nous allons donner notre sort à Dieu. Numéro 2. Je demande au COCAM de façon immédiate, dès maintenant, dès demain, veuillez indiquer à l'ensemble des Ivoiriens où est-ce que nous pouvons apprendre nos tickets. Nous avons constaté aujourd'hui que nous avons encore manqué de 10 000 supporters. J'aimerais demander à ceux qui étaient au stade aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Lundi, vous retournez au stade, jouez votre partition. À la guerre comme à la guerre, jusqu'à la dernière minute, on vient de perdre un match. Nous allons être sujet de moquerie sur les réseaux sociaux. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'amis. À la belle famille. Nous sommes une belle famille. Quand l'épouse pleure, l'époux doit venir consoler l'épouse et non se moquer. Peuple du Cameroun, nous sortons tous d'une grave crise qui a failli diviser nos deux pays. Aujourd'hui, c'est nous qui perdons. S'il vous plaît, ne donnons pas des ondes négatives qui vont se transformer en haine encore plus grande. Baissons le ton. Demain, le Cameroun va jouer. Je demande aux Ivoiriens de souhaiter le bonheur au Cameroun, de ne pas souhaiter le malheur. Ce que je vous dis, c'est un principe spirituel. Si vous m'écoutez un jour, vous direz que Makoso a toujours eu raison. C'est un principe spirituel et non un principe humain. J'aimerais demander à tous les Ivoiriens, pour l'honneur de notre président de la République, pour l'honneur de notre drapeau, le lundi, tout le monde est en mode guerrier. Nous entrons au stade. Nous allons dire à nos supporters, à nos joueurs, que malgré la défaite, nous sommes déterminés, prêts à mourir pour eux. Parce qu'eux aussi sont prêts à mourir. Malgré qu'ils jouent à 31 degrés, ils se donnent sur le terrain. On n'a pas vu quelqu'un sur le terrain qui s'est joué les famulettes. Chacun s'est donné à sa manière. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes le pays organisateur. Tout le monde rêve de battre le pays organisateur pour se donner un nom, un palmarès. C'est normal. Mais au stade où nous sommes arrivés, j'aimerais passer un message à l'encadrement technique et à la Fédération Ivoirienne de football. Vous devez prendre vos responsabilités. Cette équipe qui a joué en deuxième mi-temps, cette équipe qui est rentrée pour jouer, vous la mettez en première mi-temps. On ne veut plus. C'est fini. C'est fini. Votre finale, c'était aujourd'hui. Vous avez voulu jouer en réserve. Conclusion, vous avez perdu. Vous n'allez pas nous mettre dans la honte face à la Guinée équatoriale. Ces mangeurs de tarot, vous n'allez pas nous humilier face à eux. Vous nous mettez notre équipe la plus performante, les joueurs les plus performants. Et si possible, virez cet entraîneur le plus rapidement possible. Je répète, virez-nous cet entraîneur. Il faut qu'il rentre parce qu'il ne sert à rien. Peuple de Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes vont dormir ce soir. Vous serez dans des quartiers en train de vous parler. Non, n'entrez pas dans ce jeu. Ne tombez pas dans le jeu du diable. À vouloir nous révolter contre nos joueurs. Non. Même l'encadrement technique, on peut critiquer, on peut dire on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas le moment de faire nos palabres. Je ne suis pas content, j'ai parlé en votre nom, j'ai crié en votre nom. Le débat, il est clos. Nous devons nous ressouder comme un seul peuple. Nous devons regarder à Dieu et nous devons dire à notre équipe que nous les aimons. J'aimerais dire aux joueurs, s'il vous plaît, vous êtes des compétiteurs, vous êtes des guerriers. Vous êtes des lions.
Et vous êtes aussi des éléphants. Le cœur des lions et l'âme d'un éléphant. La Guinée équatoriale, ce sont vos petits. Mettez ça dans vos têtes. Et vous êtes des tueurs. Je t'ai amené un message, Mass Gardel, sur ton WhatsApp, sur ton Telegram. Tu vas le lire. Fais prier notre équipe. Je demande à tous les musulmans qui sont dans l'équipe, appelez vos imams, faites vos sacrifices. Tous les chrétiens qui sont dans cette équipe, appelez vos pasteurs, faites vos sacrifices. Mettez la prière au centre de ce que vous faites, comme le Brésil l'a toujours fait. Ne comptez sur aucun fétiche. Je demande à l'encadrement technique. Ne comptez sur aucun fétiche. Si vous mettez le fétichisme à la base de cette Coupe d'Afrique, vous avez perdu. Ce pays est un pays basé sur la foi chrétienne et la foi islamique. Nous mettons Dieu comme premier garant de cette équipe nationale et nous mettons notre énergie autour de cette équipe. Aujourd'hui, nous pleurons. Je peux faire pleurer maintenant et crier de joie à la fin, car la Bible nous enseigne que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement.